La nouvelle ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndolo Ndiaye Alix Naimbaï, prend officiellement fonction devant ses collaborateurs. Elle est installée dans ses nouvelles fonctions par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée de la promotion du bilinguisme dans l'administration avec les grandes institutions, Dr Ramatou Mahamat Houtouin. La nouvelle chef du département des Hydrocarbures et de l'Énergie a, à l'entame de son allocution, remercié le chef de l'État pour cette marque de confiance. Cette marque de confiance renouvelée m'honore et m'engage à ne ménager aucun effort pour davantage la justifier. Ndolo Ndiaye Alix Naimbaï est consciente de la lourde mission à elle confiée. Il va sans dire que présider la destinée d'un département si important, dont les Tchadiens attendent beaucoup, n'est pas chose aisée. Je mesure d'ores et déjà l'ampleur de la tâche qui m'attend et la délicatesse de la mission qui sera mienne. Chers collaborateurs, j'ose espérer pouvoir compter sur votre franche collaboration et votre engagement agissant. L'épineuse question de l'amélioration de l'accès à l'électricité restant un défi pour notre département et un engagement des hautes autorités, je nous invite à redoubler nos efforts et initiatives afin de résoudre cette problématique dans les meilleurs délais. Pour rappel, bien avant sa nomination à ce poste, la nouvelle patronne des hydrocarbures et de l'énergie était présidente du conseil d'administration de l'ADETIC.